se passe un truc bizarre. Ah, mais tu crois? Va au centre. Mais tu crois qu'il se passe un truc médical, bizarre ou comment? Tout de suite, la purge du réacteur a provoqué un redémarrage des systèmes dans Sébastopol. L'éclairage, le transit, peut-être même les communications. Je crois que c'est notre chance. Vas-y! Maintenant, on n'a pas beaucoup de temps. Je vais au centre de communication. Moi, je vais à la sauvegarde. Ah, ça m'avait pas manqué d'y aller doucement comme ça. Trop stressant. Je vais où? Eh merde. Ah, oh, je sais plus où est-ce que je dois aller. Non, mais où est-ce que je vais là? Aller à la gare de transit de la salle des machines. Non, mais je sais pas si ça c'est bon. Hein. On va y aller, on va voir. Regardez le temps que ça met pour arriver. C'est quoi ce bordel? Il y a un problème là ou comment ça se passe? Oh bah écoutez, moi je me mets là. Hein. Si ça peut me protéger. Ça me remet dans la salle d'angoisse avec les aliens. Oh mon dieu. Oh là 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 là. Ricardo, je suis dans le centre médical. T'es aux communications? J'y suis, mais c'est trop tard. Apollo s'est remis de la purge et vient de reverrouiller les communications externes. Merde. Nickel. Pourquoi tu m'as envoyé ici? Plan B, Rip. Avant que je parte, les systèmes ont montré un vaisseau en approche de Sébastopol. Je pense que c'est la Nessidora. Marlow a réussi à envoyer ses codes de pilote auto pour le ramener pendant que les coms ont été temporairement rétablis. Faut qu'on y aille. Il est amarré? Non, mais il est en stationnement pas loin. Dirige-toi vers la baie des ambulances. Les navettes sont pour les coups. Distance, mais ça peut le faire. Ok. Alors là, j'ai sauvegardé ici, histoire d'être tranquille. On va voir. Oh, j'ai plus rien, j'ai plus de lance-flamme, j'ai plus rien. C'est la dèche, hein. Comme on dit. Oh, quel enfer. On est à sec, hein. On est à sec, on est à sec. Pas passer par là, si? Ah bah si, parce que maintenant j'ai le truc laser. Oh là là. Puis ça, tu vois, on doit pas faire coucou dame Ace, comment tu vas? On doit pas faire de bruit, mais par contre ça, laisse tomber, hein. Tous les trucs qu'on actionne, qu'on déverrouille et tout. L'alien ne nous grille pas depuis tout ce temps.
Bon, c'est pour nous. Ok. Ah ok Twins, je savais pas ça, tu vois. Je pensais que tu devais pas du tout courir. Bon, je préfère quand même, pour ma santé mentale, je préfère ne pas courir. D'après mon terminal, il y a déjà eu un lancement. Marlowe a pris une des navettes. Wade, ça a vraiment foutu le bordel ici. Je suis en full stress. Et merde, c'est où cette... Et merde. Il manquait plus que. Sinon, je cours et je tente de voir ce que ça donne. Je suis sûr que c'est un malentendu. Ok, je vois exactement où on est. Ok. Maintenant, on a sauvegardé. On est tranquille. Je m'approche d'un truc, c'est pas grave, ok? Attends, je suis où? Merde, on s'intonise. Ouf. Trouver une ambulance. C'est pas assez puissant. Marlowe a réussi, il doit bien y avoir un moyen. C'est bon, je suis en niveau 3. Du coup, j'imagine que c'est ouvrir cette porte-là. Les cours
coordonnées sont déjà dans le système. Appuie sur le bouton. Et toi ? Yes ! Enfin ! Let's go, les gars ! Let's go, le chat ! Quel bonheur ! Allez, on décolle, on s'en va. On s'en va, c'est fini, là. Le bonheur que c'est. Oh, le bonheur que c'est là. J'espère qu'il y a eu une sauvegarde, j'ai pas fait gaffe. Ricardo, tu m'entends ? À peine. Rip, tu te déplaces hors de portée. J'ignore combien de temps la connexion va tenir. Sauvegarde tout de suite, on ne sait jamais. Explorer. Bah, très bien, on y va. Hein. On part en explo. Hein. Oh, ça clignote. Oh, le stress. Elle appartient à un vaisseau, le Nostromo, propriété de Weyland Yutani. Ce qui veut dire qu'il y aura une récompense. Mais Marlowe a eu... Il n'y a rien, j'ai pas de... Déduit à la trajectoire. Ah bon, de la vas-y, on va prendre ça. Essayer de remonter jusqu'à l'épave du Nostromo. On a eu du bol. On est tombé sur un signal de détresse et on le suit en ce moment. Lance-flamme. L'heure est venue. Okay. Je le sens jusque dans mes tripes. Il ne me laissera pas tomber. Il l'a toujours dit. Ah, moi je recharge tout. Ah, je recharge tout. Pas de discussion possible. Le PC. Est-ce qu'il y a un code à rentrer ou pas ? On est à l'extérieur de Sébastopol. Marlowe et Foster ont été les premiers réveillés. 45-10. Mix-moi sur le point de prendre la navette vers la station. Mais je crois que ça implique de briser les procédures de quarantaine, non ? C'est le vaisseau de Marlowe. C'est la femme de Marlowe. Okay. Les choses ont un peu dégénéré et Nick s'est pris un pain. Donc, je sais pas, peut-être que les docteurs lui donneront le feu vert et que tout reviendra à la normale. Et si je doute d'un truc à clair quand on pose le pied à bord, je vais rien avoir à faire. Marlowe nous paie trop peu pour ce genre de plan. On redémarre tout, hein. Quel est mon but maintenant ? Attends. Ah ! J'imagine ce truc-là, là. Marlowe. Merci d'avoir remis le courant. Tu m'as évité d'avoir à le faire moi-même. J'avais juste besoin d'être hors ligne un petit moment.
Pourquoi ? J'avais quelques réparations à faire de mon côté. C'est-à-dire ? Quel type de réparation ? Marlos, il faut aller chez nous. Hein. Pas du tout. Ah, j'aurais cru. Bon, on y retourne. Ah, attendez. Je vais re-sauvegarder parce que j'ai fait 2-3 trucs quand même. Hein. Ouais, Marlo est très chelou. Oh, Marlo est très très chelou. C'est angoissant. Heureusement qu'il a bugué dans les cartons, bousin. Vous n'avez pas des munitions de lance-flamme à tout hasard ? Oh là là ! J'ai mis tellement de temps à sortir mon truc. Oh, ça me fout les boules. Oh là là, il va se passer une dinguerie. Hein. Je préfère vous le dire. Refuser le combat, on lui dit je ne veux pas combattre contre toi, d'accord ? Tu n'es pas mon ami. Plus jamais, parce qu'à la minute où elle entre en contact avec nous, elle gagne. La compagnie saura jamais ce qui s'est passé ici. Et merde, j'ai mis clic, excusez-moi. Ah, j'ai mis clic, je suis désolée. Mais non, je fais que de mis clic, pourquoi j'appuie sur E ? Oh là là, en plus, faut pas faire trop de bêtises. Je me trompe jamais, et là. Mais. Bah voilà. Bah bravo. Oh, je te jure. Je sais pas pourquoi je misclique en boucle. Excusez-moi. Ah bah ça devait être un signe le misclic, je suis sûre, me connaissant. Oh. C'était un signe. Oh, les capsules et tout. Ah, la petite sauvegarde. Attendez, moi je sauvegarde parce que là, je le sens mal. Je le sens très mal. Ah, je le sens mal. Oh, vous entendez comme moi. Ouais, prends une arme en main. Bon, le lance-flamme, hein, il m'en reste 32. Ah, mais pue, le lance-flamme, il me reste plus rien. On va tester. Qu'est-ce que c'est ça ? Nouvel enregistrement. Message personnel. Ceci... Ceci est pour ma fille. Coucou Amanda. Cet enregistrement est pour toi. Ma petite chérie, j'espère que tu pourras écouter ceci un jour. En fait, tu vois...
J'ai eu quelques ennuis. Mon vaisseau a... On a eu un accident, mon cœur. Et... on a trouvé une créature extraterrestre. Vraiment très dangereuse. Et détruire le vaisseau, c'était notre seule chance de l'arrêter. Je vais bien. Je suis coincée sur cette navette de sauvetage pour un bon bout de temps encore. Mais il fallait qu'on détruise le vaisseau. Il fallait qu'on détruise le Nostromo. On ne pouvait pas prendre le risque de ramener cette chose avec nous. Je devais tout faire pour te protéger. Oh bah écoute, là je suis entre de bonnes mains. Ne t'inquiète pas. Ne t'en fais pas pour moi. Je suis sûre qu'on se verra très bientôt. Je t'aime, ma chérie. C'est stressant. Oh putain. Oh. Oh putain. Non mais pas elle, hein. Elle est super sympa. Maintenant tu comprends ce que je fais. C'est une blague. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais, petit trou à merde? Mon plan, c'est de surcharger le réacteur à fusion. Ça va en faire une putain d'arme nucléaire. Tu vas détruire le vaisseau et la station. Mais pourquoi la meuf, elle regarde au KLM? Tape-le. Ripley, tu sais que c'est le seul moyen. Je peux pas la laisser survivre. Et je laisserai pas la compagnie mettre la main dessus ou ils recommenceront encore mais la même histoire. Non mais frappe-le. Mais elle le regarde. Bon, est-ce que là j'ai une mission? Écoutez-moi, on n'est pas obligé d'en arriver là. Marlo, je t'en prie. T'as entendu ce que ta mère a fait? Elle Marlo. Avait compris. Si elle était là, elle ferait la même chose. Tu crois qu'elle aurait voulu que les cadres de la compagnie sachent où se trouve cette créature? Personne ne doit savoir. Il y a encore des gens qui sont en vie sur la station. Marlo. Mais il n'y a pas de posteur. C'était ma femme. Je l'aimais. Et je l'ai tué. Derrière. Bravo. Je crois qu'il est trop tard. Eh ben fallait te bouger les fesses avant. Taylor, je vais arrêter la surcharge. Faut que tu m'aides. Va à cette console. Attention, réacteur à fusion en cours de surcharge. Ouvre les systèmes de fusion que je puisse y accéder. Mais quoi? On s'entend d'ailleurs, cette vitre incroyable. Au générateur auxiliaire. Cherche les lettres A, U, X. Je l'ai trouvé. Ah non, c'est qu'il y a un micro, ok. Alors... Est-ce que c'est très loin ou pas? Bon, je suis pas sûre. Pas du tout par là, putain. J'ai peut-être fait une connerie. On va peut-être aussi passer. Super. Tu t'en sors bien, Taylor. Maintenant, passe le terminal du mode. Ça lui pète la gueule. Tu le vois? Oh là là. Fais-moi confiance. Ça va lui péter à la tronche. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai à faire moi dans cette histoire? Alors. J'ai envie de vomir tellement... Ça tremblote. Ah, mais je l'ai pas vu! C'est pas clair! Je l'ai pas vu, le truc, moi. Oh non, je vais tout me retaper ou pas? Ah, parce que si je me retape tout, flemme. Ah, ça va. Il y aura un autre truc. Enfin, il y aura ça, je pense. Tu le vois? Je ne trouve pas. Il y est. Fais un effort. Fais-moi confiance. Ouais, ça a pété. Hein. Oh là là, il est compliqué celui-là. Oh ah bah, j'espère qu'on n'est pas pressé parce que. Thank you.
Oh la vache, ah, pas grand chose, hein. Je crois que c'est joué à une seconde de la fin. Ah bah voilà. Surcharge du réacteur à fusion sous contrôle. Mais à ça que ça pète, hein. On est vraiment passé pas loin. Oh putain, t'as réussi. Ah bah je sais. Oh merde. Échec total de la cascade du système. Oh putain. Oh non. Marlo a porté une surcharge. Le vaisseau va tomber bah, en morceaux. Viens avec moi. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oh bah, qu'est-ce que je fais du coup? Parce que... Échappez-vous. Je m'en vais. Oh la vache. Hein? Hein? Oh, il manquait plus que ça, purée de patate. Oh merde. Attention, chute critique. Oh bah il manquait plus que ça, voilà, ça c'est nickel. Hein. Ah bah là vous vouliez de l'entertainment, bah je pense que vous l'avez là. Hein. Attention, chute critique. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment le goûter, hein? Oh là là. Oh. Avance. Oh merde! Oh bah alors là! Attention, chute critique. Attention, oh la vache! Oh! Qu'est-ce qu'elle fout là cette arme? Je la prends! J'imagine que c'est par là, hein. Attention. Oui, bah oui, je retourne un peu. Ah, c'est dommage qu'on voie pas ces scènes-là. Genre l'explosion et tout. Bah, s'il faut, on va la voir, je dis pas. Il y avait juste un chargement, peut-être. Mais ah, j'aime bien quand on voit ça. Dysfonctionnement du couplage de l'appareil. Service en ligne. Ricardo. Ripley, l'explosion a bousillé les stabilisateurs orbitants. On est sur le point de plonger dans le vide. J'essaie de contacter le Torrens, mais les communications sont toujours verrouillées. L'ambulance du Terre-Marie est niquée. Le Torrens est notre seule chance de sortir. Le message de Verlaine a été mis à jour. Allô, Sébastopol, vous m'entendez? On vient de voir un vaisseau exploser à votre tribord. Il a complètement détruit tout un système de stabilisateurs orbitaux. On n'a pas d'endroit où amarrer, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? On peut prendre des survivants. Je laisse cette séquence ouverte. Terminée. Mais quel bordel! Mais quel bordel, les amis, moi je vous le dis. Bienvenue chez Sixon Communication. Veuillez vous enregistrer auprès de la... Bah, je crois que c'est pas le moment, hein. Putain, mais comment ça? Et je tousse à côté d'eux. Bon, trouver Ricardo. Ah, mais c'est juste, t'approches pas d'eux. C'est juste ça. Merci Softy31 pour ton abonnement. Merci beaucoup. Ah, c'est juste ça en fait. Moi,
moi qui pensais que c'était plus. Attendez. Putain, j'avais pas vu ce. Oh, mais foutez-moi la paix en fait. Oh là. Oh là. Oh là, qu'est-ce que c'est que cette mécanique? On ne la connaît pas. Je pense que je suis au bon endroit. Ah, il y a un temps en plus pour le faire. Pas sûr, mais... Bon, on va tenter la run, après on va courir. Vu que c'est save. T'es quasiment à la fin du jeu, ou la fin... Que je suis encore loin? Non. Ripley, ça va? Écoute-moi. Les permissions de Marlowe sont encore dans ce terminal. Super. Avec les coordonnées du Torrens, on pourrait réaligner les paraboles de transmission manuellement. Non mais. Et contourner Apollo. Il y a un observatoire près des coms, non? Ouais. C'est pas tu possible. Tu devrais pouvoir trouver les coordonnées du Torrens avec ça. T'ouvres la porte. Carte d'accès requise. Ok. Truc des coms. Oh putain. Bon, le truc, la grande question, c'est est-ce que notre ami Billy est ici? Stabilisateur. Et ça, c'est ma question. À 40% avant chute. T'as tellement envie de taper un sprint. Allez, vas-y, je marche. On verra bien si Billy est là. J'ai cruellement envie de pisser. Quel enfer. Vous allez voir que Martin va être là. Donc là, tu fais du tout droit. Que je fais là. Pas un truc pour chercher? On va grimper direct. Hein. Utiliser le système de pistage. J'imagine que c'est ça. Oh là là.
ce que c'est que cette merde. Ah! Pas compris, mais... Le plus important, c'est qu'on ait réussi. Hein? Mais quoi? On va attendre, il se passe des dingueries, là. Oh là là. Il va se passer des trucs sales, c'est pas possible. T'as vu le nombre de Kira TV sur Twitch? What? Comment ça? Je sais pas ce que c'est que cette merde. Je sais pas ce que c'est. Utilisé pour contrôler l'alignement de l'amarrage. Mais quoi? Ah, peut-être, attends. Peut-être que quand les cercles... Genre ça? Peut-être. Enfin. Ricardo, je les ai trouvés. Maintenant, aligne les paraboles vers le Torrens manuellement. Ok. Je vais dehors. Ça? Mais non. Elle a dit je vais dehors? Non. Elle a pas dit ça, cette folle. Alors attends, c'est où? Ah, oh, c'est pas la porte à côté. Hein. Je peux déverrouiller l'entrée du SAS d'ici. Une seconde. Vas-y. Là, c'est bon. Merci. Ok, on va monter. Oh là là, j'ai l'impression... Vous savez, là j'ai l'impression d'être dans Outlast. Dans le 1. Quand tu tentes de t'échapper et en fait, plus t'essayes de t'escape et plus tu t'enfonces. Et pire c'est. Et ben j'ai vraiment l'impression d'être dans... Ça fait trop penser à Outlast. Oh bah... Oh le petit tour dans l'espace. Allez c'est parti. Elle en fait des dingueries quand même. Hein. Elle en fait des dingueries. Ah, la descente aux enfers, clairement. Ok, bon bah let's... Oh bah, attendez. Une petite sauvegarde, franchement, c'est pas de refus. Hein. Ah moi, je dis pas non à la petite sauvegarde, hein, je vous le dis tout de suite. Allez, on y va. Je peux que tourner. C'était bizarre la vue. Oh what the fuck. Ah c'est vraiment de la balade là. Dépêche-toi, ça va être l'enfer quand Sébastopol va sombrer. Ah mais je peux rien faire hein. C'est que de la marche. Oh la vache. Profitez du décor hein. Oh je vous le dis. Ça va mal finir. Oh c'est chouette hein. Ils peuvent pas nous faire un Alien Isolation 2? Ça serait fou hein. Ah ça serait fou un hein, Alien versus... Alien Isolation 2 pardon. Oh là là, regardez en face. Oh, ça va frapper en plein dedans. Même pas. Non mais là, si on croise pas un alien, je ne comprends plus rien. Maintenant, tu veux un deuxième, j'avoue. Non mais c'est vrai qu'en termes d'horreur, ils sont très forts. Franchement, le jeu est très bon en termes d'horreur. Hein. Malgré les années, le jeu est très bon. Hein. Ça, c'est des jeux... ils méritent un second volet, quoi. C'est ça que je voulais dire. Pas sûr de le faire, après. Hein. Vu la panique qui s'installe quand je vois l'alien. Ouais, super beau pour un vieux jeu, je suis d'accord. Entre les coordonnées d'un
terminal. Les gars, il va falloir m'aider. Si j'ai pas les codes du terminal, il va falloir aller le checker sur internet si vous voulez. Si ça vous chauffe, je veux bien. Au cas où, hein. Ah, c'est tout. En position fixe. Ah. Bon, mais c'est peut-être tout. Ah, j'ai oublié le capteur cardiaque. Mince, attendez. Attends, maman, mes capteurs cardiaques. Excusez-moi, c'est vrai que j'ai oublié le capteur. Je l'ai enlevé quand tu es allée aux toilettes, c'est bien vrai, et j'ai complètement zappé de le remettre. Je suis désolée. Hop. Attendez, qu'est-ce que je suis en train de foutre là? C'est bon, le capteur est de retour. De toute façon, moi je peux pas mentir. Quand il y a le capteur, quand il n'y a pas le capteur, on voit tout de suite. Quel est mon but? Entrer les coordonnées du torrent manuellement, retirer les verrous de l'antenne par un machin. Non, mais là je pense que je continue. Donc là il n'y a pas. Alors attendez. C'est là-bas, je pense, on est d'accord? Oh, je suis pas sûre, les gars. Oui, il y a plein. Après, il y a ça. Est-ce qu'il faut que je descende? Ah, peut-être là-bas, hein. Descends. Donc, je descends là-bas. Ok. Pourquoi est-ce que je sens que c'est beaucoup trop calme? Eh, franchement, regardez. Pas mal, hein? C'est tellement calme. C'est trop calme. C'est pas bon signe du tout. Décrochage de la pince. Peut-être ça. Ah, c'est ça. J'entends des bruits très chelous quand même. Ça sent très 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 mauvais. Entrez les coordonnées. Bah ça y est, on remonte, hein. On va se prendre un truc. On va se prendre la mer des aliens. C'était écrit. Oh,
Mais comment ça... Comment on fait? Attendez. Moi, pas comprendre, là. 35A75B. Mais comment vous faites ça? Hein? Comment vous faites ça? On peut descendre que le bas, non? Ouais, franchement, je m'en sors. Attendez, que je regarde. 35A75B. Mais alors... 35 en bas, 75 en haut. Ah mais comment on monte? Attends. 35 en bas. Super. Allez, on fait tout le tour. Attendez, comment je fais? Mais non, n'abîme pas le siège. Qu'est-ce qu'il y a? Comment je fais? Attendez. 30. Mais comment je fais? Bah. Attendez. Comment je fais pour monter? Non mais. Non, non. Ah d'accord. Il faut lâcher, regarder celui d'en haut, un truc comme ça, non? Je sais pas. Ah, on confirme avec eux ce que j'ai fait? Je sais pas. Oh là là, c'est long. Ouais, en fait, c'est qu'il faut confirmer, Twin, c'est ça, ouais. D'une évacuation d'urgence. Un quoi? Pas le temps d'expliquer, s'il te plaît, Verlaine. On a nulle part où s'arrimer, Ripley. Et la station commence à se détacher de son amarre gravitationnelle. Mais non. J'ai vu une plateforme de remorquage sur le terminal de décollage. Mais le cordon ombilical du Torrent n'est pas conçu pour. Oh là là. Faut que tu déploies les bases de la plateforme de remorquage côté station. Mets-toi en position. Je crois que ça va péter. Enfin, je veux pas être défaitiste, mais je crois que ça va exploser. Est-ce que c'est par là? Parce que moi je me pose la... Oups. Parce que moi je me pose la question. Est-ce que c'est par ici? Les pinces de la station. C'est par là? Oh là là. C'est pas en Star Wars. Ça doit être par là. Oh, vu comme ça devient le bordel, oui. Va pop devant moi, je vais me foutre le dos dans l'œil. Tellement loin. Ouais, je sens la mort arriver de ouf. De ouf. Regardez-moi ça.
Ouais, je pense que c'est par là, vous en pensez quoi? Je pense que c'est par là. Bah Ricardo il est mort, tu vas voir. Oh s'il faut il est mort. Il s'est fait quick. Oh s'il faut ouais. Oh, putain. Mais il est plus gros que les autres celui-là non? Et attendre des instructions. Bah attends, il est plus gros que les autres, lui, non ?